En 2012, les organisateurs des événements dans le monde entier ont trouvé des façons nouvelles et innovantes de célébrer l'occasion, de sensibiliser les jeunes filles et les jeunes femmes aux débouchés que leur offre le secteur des TIC et de les convaincre qu'elles peuvent y faire carrière. Les organisateurs ont puisé dans leur propre expertise pour créer une variété d'événements fabuleux, la plupart impliquant 20 à 500 filles. Au total, plus de 1300 activités dans près de 90 pays ont été organisées, renforçant l'autonomisation de plus de 30 000 jeunes filles dans le monde entier. Le secrétaire général de l'UIT vous invite à organiser des événements dans le cadre de la journée des jeunes filles dans le secteur des TIC, visant à susciter la participation du plus grand nombre de jeunes filles et de jeunes femmes possible aux alentours du 25 avril 2013. Peut-être certains d'entre vous souhaiteraient-ils organiser des événements de dimension nationale, tandis que d'autres envisageraient de mettre en place une série d'événements régionaux. Enfin, certains organiseront peut-être leur tout premier événement dans le cadre de cette journée. Le but est d'inviter des adolescentes et des étudiantes à des journées portes ouvertes, divertissantes et instructives, dans les locaux d'entreprises de TIC, dans d'autres entreprises ayant un département TIC, dans des instituts de formation au TIC, des universités, des centres de recherche et dans toutes les institutions s'occupant de TIC, où les jeunes filles pourront découvrir par elles-mêmes ce que peut leur apporter une carrière dans le secteur des TIC, poser librement des questions et rencontrer des femmes auxquelles elles pourront s'identifier. Nous vous invitons à consulter le portail de l'UIT, les jeunes filles dans le secteur des TIC. N'oubliez pas de nous tenir informés de vos activités pour 2013 dans le cadre de cette journée. Pensez à jeter un œil sur la campagne de communication Tech Needs Girls, comportant des remises de prix lors de la journée des jeunes filles dans le secteur des TIC.